Sorti d'un entretien avec le Premier ministre dans le cadre du dialogue inclusif, quels sont vos sentiments suite à cette première journée de concertation? Oui, je suis Dr Salimela, le président du parti AFIA, président de la COPADEC. La COPADEC, c'est la coalition de partis pour le développement de la Guinée. C'est 34 partis politiques qui sont organisés et qui œuvre dans le cadre d'une transition apaisée, inclusive, réussie, et qui voudrait assurer toute sa contribution pour que, après la transition, qu'une démocratie réelle puisse s'instaurer en Guinée. Et donc, aujourd'hui, nous venons de vivre une rencontre de haut niveau, présidé par le Premier ministre, Lansana Beyabogui, consacré réellement à un lancement effectif d'un cadre de dialogue dans le cadre d'examen étoffé, élargi, inclusif de tous les problèmes concernant la transition en République de Guinée. C'est un grand espoir qui est suscité grâce aux efforts personnels de son président, le président de la transition, chef suprême des armées, président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, appuyé par son gouvernement, ayant à sa tête Monsieur Lansana Beyabogui, dont le ministre de l'administration du territoire est en train aussi de faire des contributions importantes, non négligeables. Alors le ministre vous invite à aller vous concerter afin de vous proposer quelque chose ici vendredi prochain. Que comptez-vous faire? Nous avions examiné le contenu du chronogramme avec des actions, des activités proposées par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous avons vécu toute la matinée aujourd'hui des interventions faites par les chefs de coalition politique que nous sommes, ainsi que ceux de la société civile, des syndicats, des autres associations. Tout cela éclairé par la grande intervention lumineuse du Premier ministre chef du gouvernement, M. Lansana Beyabogui. Nous allons... Mohamed Beyabogui. Nous allons, avec la contribution de nos partis politiques respectifs, nous retrouver pour faire une synthèse et leur envoyer cela. Il s'agirait de revoir chaque activité, de voir les activités qui manqueraient, de réfléchir à tous les aspects pour que nous puissions déposer une synthèse aussi étoffée, aussi bien amendée, afin que les prochaines réunions puissent être le plus contributif que possible. Alors, M. Sadio, l'objectif du politique, c'est la conquête du pouvoir, mais apparemment, les politiques guinéens ne s'entendent jamais. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous allez me dire où se trouvent des politiques qui s'entendent. Les politiques ne peuvent pas s'entendre. L'ensemble des partis politiques exercent pour devenir des grands partis afin de conquérir une seule place. En réalité, c'est la présidence de la République. Et dans ce cas, le nombre de partis peut varier, mais quand plusieurs éléments, plusieurs personnes convoitent une seule place, je me demande comment ces partis peuvent s'entendre. C'est de bonne guerre qu'il y ait des disputes, des attaques. C'est de bonne guerre à l'interne qu'on puisse se bousculer de temps en temps, qu'on puisse se faire des coups de pied. C'est tout à fait normal, c'est propre à la démocratie. Ne pensez pas que la Guinée est en train de vivre quelque chose qui est
particulière. Non, c'est quelque chose de normal. Ainsi est faite la démocratie. C'est la loi de la lutte de l'unité de contraire. C'est la loi de la négation de la négation. Il faut bien comprendre que la vie aussi, c'est en fait une révolution. La politique, c'est la révolution. La vie aussi, c'est la révolution. D'accord. C'est comme ça. C'est l'union de la lutte et de l'unité des contraires. Okay. Merci. C'est ce que vous devez comprendre. Merci. C'est moi qui vous remercie.